Jagodev, tout le monde. Bienvenue à Navaratri. Comme le disait Swamini Dakshini, cela fait près de 20 ans que je célèbre Navaratri ici et plus de 24 ans en Europe. Navaratri est une période. En fait, ici, à Sripita Nilaya, c'est une des périodes les plus merveilleuses, en fait, où pendant 9 jours, la mère divine est vénérée. La Navaratri est très mystique. Il y a un certain mysticisme derrière. Nous verrons, bien sûr, je ne sais pas combien d'entre vous étaient ici pour la Navaratri dans le passé, mais nous verrons que chaque aspect d'une mère, comme aujourd'hui Shailaputri, qui symbolise la détermination dans une vie. Car très souvent, c'est ce qu'il nous manque. Surtout si c'est dans le monde matériel à l'extérieur ou dans le monde spirituel. L'effort pour aller de l'avant. Au début, nous sommes très enthousiastes. Quand vous êtes frais sur le chemin spirituel, dans un nouveau travail, vous êtes très enthousiaste. Mais combien de temps peut-on garder cet enthousiasme à l'intérieur de nous? Vous savez, vous êtes très haut et ensuite vous redescendez. Vous commencez alors à avoir des doutes de toutes sortes de choses dans votre mental. Ça ne reste pas. Ma rappelle, Devi sous cette forme nous rappelle que lorsque nous avons pris une certaine décision dans la vie, une certaine détermination, ce que nous voulons atteindre dans notre vie, ce n'est pas seulement notre vie qui est en action à ce moment-là. Ce n'est pas, même si on pense que, oh oui, notre vie est misérable ou notre vie est joyeuse et heureuse, parce que la plupart des dévots perçoivent la vie différemment des autres personnes. Il y a un certain bonheur qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. C'est pourquoi le monde extérieur ne comprendra jamais l'attitude d'un dévot. Mais c'est votre attitude. Dans les deux cas, que vous vous rendiez malheureux ou heureux, c'est une attitude intérieure. Ces 9 jours sont un voyage que la Mère divine nous fait faire pour redécouvrir quelque chose que nous avons oublié. Je ne dirais pas que nous l'ignorons, car vous avez tous une parcelle de divinité en vous. Elle ne peut pas être oubliée. C'est juste que ce n'est pas qu'elle est perdue, mais elle est oubliée. Vous savez, vous l'avez mise dans un dossier il y a longtemps et vous avez fermé ce dossier. Et la Mère divine veut que vous l'ouvriez, car c'est la vie. Vous ne connaissez peut-être pas la vie, peut-être que vous pensez que oh, la vie est juste la normalité de ce que tout le monde vit. Si ce n'est que cela, combien de personnes atteignent les pieds de lotus de Sri Hari? Combien de personnes parviennent à la réalisation? Pensez-vous que des masses de gens y parviennent? Non. Seul un très petit nombre de personnes atteignent, un ou deux peuvent arriver à cette réalisation. Et comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, sur 1 million, seulement certains apprennent à me connaître. Et sur ces quelques personnes, il y a encore moins qui apprendront à me connaître réellement qui je suis. Alors apprenez à connaître qui est Bhagavan, arrivez à ce point d'abandon total de soi, de Sharanagati. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas un voyage facile, mais pour ceux qui ont de la détermination, pour ceux qui ont fixé un objectif, ils deviennent un instrument du divin. Et c'est ce que représente la Mère divine, cette connexion
Chacun est unique. Chacun est important. Chacun est beau. Le moment où vous déterminez clairement ce que vous voulez atteindre, le moment où vous déterminez clairement que oui, ma vie est pour le divin, ma vie est... Peu importe le type de vie que vous vivez, vous savez, mais vous placez cette importance dans votre vie. Oui, je peux changer, je peux me transformer. Et en changeant et en se transformant, je ne dis pas seulement à l'extérieur, parce qu'il est très facile de changer à l'extérieur. Vous n'êtes pas végétarien, vous devenez végétarien. C'est facile, vous fumez, vous buvez, c'est très facile de s'en défaire. Ce dont je parle, c'est de l'intérieur. Lorsque vous transformez de l'intérieur, c'est permanent. Lorsque vous transformez uniquement de l'extérieur en tant que spectacle, ce n'est pas permanent. Cela durera un certain temps. Et après, vous vous lasserez. De la même façon, de la même manière que vous avez vécu votre monde extérieur, que vous vivez dans votre monde spirituel, votre vie deviendra ennuyeuse. Vous trouvez l'ennui, vous vous ennuyez à l'intérieur de vous, vous vous ennuyez avec vous-même. Et lorsque vous vous ennuyez avec vous-même, que vous soyez sur la voie spirituelle ou que vous soyez, comment dire, dans la vie matérielle, à l'extérieur, vous devenez malheureux. Et c'est ce que nous appelons la vie, une vie misérable, une vie de misère. Beaucoup de gens vivent cette vie. Beaucoup de gens sont dans un état de faux-semblant. Parce que ce n'est que l'extérieur. À l'extérieur, les gens peuvent prétendre être très compétents, très joyeux, afficher un grand sourire sur leur visage. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de compassion dans le cœur. Il n'y a pas d'amour en eux. Ici, c'est rempli. Ici, c'est surchargé. Mais ici, c'est vide. Le voyage que la Mère Divine nous fait faire pendant cette période est un voyage intérieur, un voyage de profonde détermination et de clarté. Mais il ne s'agit pas de qu'elle vous dise « Oh, tu dois vivre ta vie de telle façon ou telle façon ». Non, c'est à vous de vous dire si vous n'arrivez pas à garder le contrôle de votre vie, vous ne pouvez pas le faire. Si vous ne pouvez pas tenir votre propre promesse envers vous-même, vous ne pouvez pas vous considérer comme un être humain. Vous savez, il y a une belle phrase que l'arrière-grand-père de Ram a dit. Si votre vie peut disparaître, la promesse que vous avez faite ne doit pas disparaître. Si vous promettez quelque chose dans votre vie, il vaut mieux que votre vie s'en aille, que vous ne teniez pas cette promesse. Mais combien d'entre vous rompent facilement leurs promesses? Et c'est ainsi que vous pouvez vous appeler un être humain? C'est ainsi que vous appelez une personne? Non. Vous êtes juste comme tous les autres. 8 millions de personnes font la même chose, car vous vous êtes changé à l'extérieur et vous n'êtes pas changé à l'intérieur. Vous ne changez pas à l'intérieur, sincèrement, vraiment. Vous êtes un hypocrite. Je ne voulais pas utiliser ce mot, mais c'est le bon mot à dire. Mais lorsque vous changez de l'intérieur, et que vous choisissez d'être heureux dans n'importe quelle situation de votre vie, vous devenez un instrument du divin qui relie la matière et Bhagavan lui-même. C'est cela, l'humanité. C'est à ce moment-là que l'homme se réalise, qu'il réalise sa véritable importance. Il réalise que la vie n'est pas juste le fruit du hasard. Êtes-vous arrivé au point de réaliser que oui, tout peut exister? Vous savez, des millions de milliards de personnes sont venues et des milliards de personnes sont mortes avant vous. Mais combien ont vraiment atteint le point de dire « Oui, je suis connecté » ? Combien ont dit « Oui, je suis
cet instrument qui relie la matière au Bhagavan, à Bhagavan. Très peu. Et c'est ce que la Mère divine, tout au long de ces 9 jours, rappelle l'importance de vous dans votre plénitude, pleinement humain, pleinement divin, pleinement tout. Pas seulement de manière superficielle, mais avec sincérité. Ces 9 jours sont les 9 jours du voyage intérieur. À l'extérieur, bien sûr, nous prions, nous faisons des choses, mais cela doit aussi venir de l'intérieur. Car si vous venez pour 9 jours, que vous vous amusez, que vous faites la fête et que vous repartez, qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est donc ce que la mer représente. Chaque aspect de la mer, quand vous êtes clair sur votre chemin, quand vous êtes clair sur votre vie, elle énergétise. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'aspect de la détermination, de la clarté. Cela ne veut pas dire que les doutes ne surgiront pas, ils surgiront. Vous douterez de votre chemin, de votre voie, vous douterez de tout ce que vous faites dans la vie. Mais sauterez-vous dans ce doute ou sauterez-vous dans la réalité de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? La clarté est importante. Et pour avoir de la clarté, nous devons avoir une vision. Si nous n'avons pas de vision dans notre vie, nous ne savons pas où nous allons. Il y a une belle histoire. Vous savez, ce que nous pouvons apprendre d'un aigle. Les yeux d'un aigle. Ils ont de très grandes visions. L'aigle peut voir à 5 km de l'endroit où il se trouve. Comment voyez-vous? Vous voyez clairement? Ma vision n'est pas si bonne, elle est très mauvaise. Je ne vois que votre atma quand vous venez au darshan. Et c'est mauvais à ce point. Quelque chose qui est encore plus microscopique que n'importe quoi. C'est tellement mauvais. Elle est tellement mauvaise, ma vue. Mais votre vision est également très bonne. En effet, vous ne voyez que le mur qui se trouve devant vous. Et vous êtes tellement intelligent que vous aimez vous frapper sur ce mur, même lorsque vous voyez le mur. C'est incroyable, non? Combien de fois avez-vous frappé ce mur? Vous êtes vous cogné. Et vous continuez à faire la même erreur. À quel point vous êtes aveugle? Bien que vous soyez sur chemin spirituel, bien que vous ayez reçu tous les enseignements, vous restez dans cet état de cécité. Vous continuez à faire la même erreur, encore et encore et encore. Et cela en pensant, oui, je serai heureux la prochaine fois. C'est bien d'avoir l'espoir. Mais ce serait bien également que vous arrêtiez de faire la même erreur et que vous dites, oui, c'est ma vie, je suis clair avec cela. C'est pourquoi, vous voyez, votre détermination est très importante. Et un aigle ne va pas chercher... Vous voyez, si un aigle met son attention sur sa proie,
Il peut y avoir des milliers d'animaux autour. Il ne va pas s'en écarter. Il ne va pas, comment dire, se laisser distraire par toutes les choses qui sont autour. L'attention est là. Vous savez à quel point nous sommes distraits? Même lorsque nous sommes sur le chemin spirituel, nous sommes tellement distraits. Et c'est pourquoi nous n'atteignons pas notre but. Si vous laissez votre attention être distraite par tout ce qui se trouve à l'extérieur, vous n'atteindrez jamais ce que vous êtes venu chercher ici. Tout comme l'aigle, lorsqu'il se dirige vers sa proie, rien ne pourra le distraire. Il se dirigera vers cette proie. Et aussi une chose, l'aigle n'est pas faible. Quelle que soit la taille de la proie, il n'aura pas peur. Il l'attaquera là où il a décidé d'aller. Il ira jusqu'au bout. L'absence de peur, c'est ce que Ma Bhagavati représente. Ne pas avoir peur, peu importe ce qui se présente sur votre chemin. Les défis viendront, vous êtes des êtres humains, vous avez créé des milliers de défis dans votre vie et vous attendez le moment où ils se réaliseront. Car, comme nous le disons, vous connaissez très bien le mental comment il est, il a toujours des pensées. Et chaque pensée est créativité, parce que vous faites aussi partie de la création, vous faites aussi partie du créateur à l'intérieur de vous. Et donc chaque pensée que vous avez eue qui est négative, vous devrez en supporter les conséquences. Quand, comment, cela viendra. Mais même lorsque cela se produit, restez sans peur, sans crainte. Quant à ce que vous voulez accomplir. Et autre chose, lorsqu'il y a un gros orage, l'aigle est le seul oiseau qui aime voler. Lorsqu'il y a un orage, les aigles volent plus haut, défiant tout ce qui peut arriver. Cela ne le rend pas faible, mais plus fort. C'est ce que Ma Bhagavati représente ici également. La force au milieu des problèmes. Elle est là. Alors, elle représente, elle est dans cette forme de pouvoir. Ma Bhagavati, vous avez ce pouvoir, vous avez cette force. Et comme je l'ai dit, le voyage spirituel n'est pas pour les personnes au cœur fragile. Ce n'est que lorsque vous êtes fort. Elle vous prendra, elle vous amènera très haut et vous jettera par terre. Il vous faut apprendre à voler comme l'aigle le fait avec son petit. La mère aigle, quand le moment est venu pour les bébés de voler, elle les prend sur son dos, vole très haut, et puis se retourne. Quelle miséricorde! Et les bébés tombent. Mais juste avant qu'ils ne puissent voler, avant qu'ils n'atteignent le sol, la mère les rattrape. C'est ce que fait Mahamaya. Mais vous voyez, très souvent, vous ne savez pas le jeu divin de la mère. Vous êtes tellement concentré sur votre idée du bonheur. Vous êtes tellement coincé avec vos idées sur la façon dont les choses doivent être. C'est surtout comme ça quand vous devenez dévot.
Oh oui, tout sera parfait, très bien. Mais vous ne savez pas que vous avez grimpé sur le dos de Garuda. Et le voyage a commencé maintenant. Mais tout cela n'est là que pour vous rappeler que le mental humain est très limité pour comprendre le domaine divin. Si vous n'êtes pas connecté au domaine divin, vous serez dans votre faiblesse. Ainsi, les 9 jours révélés par la mer, ils révèlent la force que vous détenez en vous. Vous connaissez vos faiblesses, mais vous ne connaissez pas le véritable potentiel de votre force à l'intérieur de vous. C'est ce qu'elle veut vous rappeler. Et c'est ce voyage vous devez le faire. Vous devez faire ce premier pas. Ne dites pas « Oui, vous êtes la mère divine, je vais m'asseoir sur vos genoux et vous allez me porter. » Bien sûr, elle sera heureuse de vous porter. Et elle sera également ravie de vous jeter au sol. Et c'est la beauté de la mère, pour que vous puissiez grandir un peu. Bien sûr, l'esprit humain est différent. L'humain dira « Oh mon Dieu, c'est très atroce, terrible. » Comment apprendriez-vous? Au cours d'innombrables vies, vous avez fait la même erreur. Vous continuez à faire la même chose. Quand apprendriez-vous à agrandir? Quand apprendrez-vous à voler? Quand apprendrez-vous à être qui vous êtes vraiment? Pourquoi vous êtes venu? Ne sous-estimez pas votre vie. Comme je l'ai dit, vous êtes... Chaque dévot, chaque être humain, c'est une connexion. Une connexion où ce monde, cette réalité, touche les pieds de lotus de Sri Hari. Et cela passe par chacun d'entre vous. Jai Gurudev.